Je vais vous parler de mon nom de famille, Heilbronn, qui est un nom allemand et qui est très intéressant. Pour deux raisons. La première partie du nom, Heil, ça vient de Heilen, qui veut dire à la fois guérir et qui renvoie à la sainteté. Heilige Nacht, la sainte nuit. Holy, holy, en anglais, ça veut dire sacré. Holiday. Et aussi healing, qui veut dire guérir. Et Heilen veut dire aussi guérir. D'ailleurs, Heilbronn est une ville de thermale où on se guérit. Mais il y a aussi le Braun. Et le Braun, c'est à la fois la source, la fontaine, mais on pourrait rapprocher ça aussi de Brennen, qui veut dire brûler. Donc l'eau et le feu. Donc, vous comprenez que Heilbronn, ça veut dire beaucoup de choses. La santé, la sainteté, la fontaine, le feu. Voilà qui me paraît assez riche comme nom. Alors que beaucoup de noms juifs sont beaucoup moins intéressants sur ce plan-là. Donc, je suis assez content de ce nom-là. Mais évidemment, en France, en français, c'est un nom qui n'a pas beaucoup de signification. Mais au niveau européen, Heilbronn, c'est quand même quelque chose qui est très sémantiquement, qui est très riche.